Comment ça va mon gang aujourd'hui? Mon nom c'est Shani et on se retrouve aujourd'hui pour faire mes quêtes quotidiennes dans le bras de fer. Oui, parce que le bras de fer d'aujourd'hui nous propose un jeu un petit peu stratégique et comme j'ai pas un bon jeu prêtre ni un bon jeu démoniste, Focaillou, on va le faire en bras de fer. Allons-y, on va commencer par monsieur le prêtrouné. Alors, qu'est-ce que tu peux prêtriser un peu? En attendant les poulets, ça va le faire, on va les défoncer. Je viens de voir qu'on peut acheter les extensions Hearthstone avec des pièces. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais farmer les pièces et on se fera les extensions ensemble, si ça vous dit. D'ailleurs, si ça vous dit, il faut me le dire dans les commentaires et laisser des j'aime et me dire « Chani, c'est une bonne idée les extensions » ou alors « On en a rien à secouer !» Qu'est-ce qu'on a dans la main? Des poulets. C'est un jeu pour moi, c'est un jeu de poulet. Alors, le principe c'est que chaque fois que je prends une carte, elle va se rajouter à mon deck. Hein, donc on va prendre celle-là, qui détruit l'arme au cas où il s'abuse. Je crois pas qu'un prêtre ait d'armes, mais en attendant, on pose ça, on pose un poulet. Pourquoi? Parce que, comme ça, prochain, enfin, voilà, ça va se rajouter à mon deck de base. Et il faut essayer, je pense que sur ce bras de fer, on va essayer de jouer rapid fire, c'est-à-dire que des choses qui se lancent rapidement, ou des effets qu'on souhaiterait avoir si jamais on a un choix de merde parmi les trois cartes. Bon, le temps qu'ils choisissent, moi je vais me boire un coup. Parce qu'alors il est mou, vas-y bouge-toi le derche. Vas-y griffon gueule. Oui, tu dois réfléchir. Non, les miroirs réfléchissent, tu dois penser mon gars. Petite notion de français mais très importante, un miroir réfléchit. Toi, tu penses. Il faut pas jouer ça, tu vas avoir que des poulets dans ta main après. Alors vous voyez là, rien à voir, mais je pense que je vais prendre celle-là, juste pour qu'elle se rajoute dans mon deck et que je puisse avoir une chance de l'avoir. Chaque fois que vous piochez une carte, réduit son coût de 1 cristal, ça m'intéresse pas, et l'autre, chaque fois qu'on soigne, on va pas soigner, je pense pas. J'ai dit rapid fire. Et tiens, fais ça, et ajoute plus une à... C'est quoi, PV ou attaque? Mais pousse-toi de là, je vois rien, espèce d'encart. Quand vous jouez une carte, on place une copie dans votre deck. Ok, donc quand je la joue... Ok, maintenant replacez votre main dans votre deck et piochez de nouveau. Donc c'est ça, donc ce que t'as dans la main et ce que t'as joué va se rajouter au deck. Donc plus je vais jouer de poulet, plus je vais avoir de poulet. Ouais, je sais comment je vais intituler la vidéo. La vidéo ça va être l'armée des poulets. Parce que ça commence à 1, 2, 3. Je pense que ça va pas être très très long comme bras de fer. Hein. Il a que des poulets en main, c'est ça. Voilà, le défaut de sa stratégie, ça a été de poser un max de poulets au premier tour, ce qui fait que il va avoir du poulet qui revient dans sa main pour le hanter tous les tours. Et nous, on a une 4-2 pendant ce temps. Fouille caillou! Il est débile. Pourquoi tu t'en prends pas à la 4-2? Accès de rage, cri de guerre ou pungen. Ouais, lui, il donne pas de banane à l'adversaire. On va reposer lui, vous voyez, il revient, c'est ça qui est bien. On va donner plus un PV à lui, on va lui niquer un poulet, et on va lui défoncer ses points de vie. Le but du jeu avec un prêtre, c'est de lui descendre suffisamment ses points de vie pour qu'il ait envie à tous les tours de se remettre 2 PV, 2 PV, 2 PV, et donc de lui faire perdre 2 cristals minimum par tour. Ce qui va le ralentir un maximum. Là, tu vois, on est quoi? Tour 3, il est à 24 ou 26. Ils se disent pas grave. Prochain tour, il va passer à 24. Ouais. Non, reviens, Léon. Reviens. Non, mais t'es pas sérieux. Qu'est-ce que je vais montrer à mes poulets, moi? Un truc pourri comme ça? Bah, j'ai gagné un paquet au moins, c'est déjà ça. Ok. Mais on va l'enchaîner de suite, l'autre. Démoniste. Vas-y. Vas-y. On va essayer de voir. Si le démoniste est super utile pour ça, bon, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir piocher. Oh, si j'ai pas assez de cartes en main, ou si je veux faire ressortir une carte que j'ai stratégiquement placée, ça peut être utile. En espérant qu'il nous trouve rapidement un combat, parce que j'ai pas envie de poireauter une heure et demie. Ok, t'en es où? Adversaire Vonconable. Et dans Convenable, il y a Venable. Ok, continuons. Il y a Tignuant d'ailleurs dans ça. Là, je vais jouer stratégie poulet. Oh, j'aime son dos de carte, il est coloré. Et j'aime beaucoup les cristaux qui brillent comme ça. Le mien est tout pourri. Mais j'ai même pas regardé d'ailleurs. Faudra qu'on se fasse full custom d'ailleurs. Et donc ouais, je pense que je vais me payer des extensions avec du fric in-game. Donc des pièces et pas du pognon hors-game. Parce que c'est des malades, 25 euros l'extension.
Tu joues un poulet? Moi j'ai 3 pièces dans la main, bordel. Je peux sortir une atrocité au premier tour. Choisis une nouvelle carte. Je peux sortir une atrocité au premier tour. Toi, enragé de glace. L'autre, il me fait des dégâts. J'aime pas ça. Le mouton, non, ça va pas avec un jeu poulet. Je peux sortir l'enragé, le poulet. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Enragé de mana. Ok. Poulet. On va lui donner envie de venir défoncer l'enragé. Tu vas avoir un rush de poulet, mais sans le voir. En fait, là, je vais essayer d'utiliser une stratégie, c'est-à-dire lui montrer une créature en lui disant « Ouh, viens buter celle-là !» Et puis à côté, lui mettre un rush de toute petite créature qui revient à tous les tours. Oh, les pièces, comment elles m'ont... Attends, chaque fois que je joue une carte, ça la remet dans mon deck. Ça veut dire que les pièces aussi sont remises dans le... Oh, il va aller taper l'enragé du mana. Génial, ça a fait exactement ce que je voulais. Ok, stratégie 2. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Seigneur de la mort. Toi, je te pose ce tour-ci. Provocation avec râle d'agonie. La mort ne me fait pas peur. C'est pas avec ses poulets qu'il va réussir à passer au travers, je vous le dis. Et l'enragé revient. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Mes stratégies se mettent en place. Vous voyez, en fait, Hearthstone, j'ai pas les bonnes cartes dans mes decks. Apparemment, le deck Majmeka qui est pas trop mal, et encore, il faudrait 2-3 légendaires pour le booster. Genre un Dr. Boom ou un... je sais plus comment il s'appelle, le mecha, que si t'en as 3 ou plus, il les assemble pour former V7, Ertron ou je sais pas quoi, là. Ok, 2-2, poulet. Non. Ça, c'est pas très beau, mon petit. Oh, celui-là il me plaît. Et l'exaltation de l'autre est sympa aussi. Mais on va prendre lui. Et on va jouer l'enragé. Yes. Vas-y mon gars. Ok, la provoque qui revient. C'est bon, le combat il est gagné, il le sait même pas. Vous allez voir, parce que l'enragé fait 5 points par tour, donc en 6 tours, je le défonce. Même si lui peut me flécher la gueule à tous les tours, en 6 tours, je le défonce. Donc maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer de réduire ce taux. Vas-y, booste ton poulet. Je lui donne plus d'attaque. Vas-y, fais 4. Voilà, qu'est-ce que je disais, il va me flécher. Perds du mana, mon gars. Perds du mana. Donne plus un PV. Place un démon aléatoire de votre main. Oh, on va s'en servir d'appât. Comme ça, s'il pète la provoque, celle-là sert d'appât. L'armée des poulets est en route. Ok, voilà. Tour 4, il est à 19, on est pas mal. Je suis quasiment à full vie, 28. Prochain tour, il prend la gelée avec provoque, je pense. Enfin, sauf si... Ça dépend en fait de ce qu'il va jouer. Parce qu'un chasseur peut avoir de très bonnes bêtes aussi. Bon, à 5. 5, je crois qu'il... L'ombre de Naxxramas. Camouflage gagne +1/+1 tous les tours. Tu ne sais pas à qui tu dois parler. Oh, Malganis. Viens voir Papounet. J'hésite à même parce qu'il est cher, mais... J'espère l'avoir tué... Avant de pouvoir sortir Malganis. Ok. Vas-y mon poulet. Ok, vous avez peut-être entendu la jolie voix de ma petite femme en arrière-plan, je sais pas du tout. Mais en attendant, nous on continue notre avancée de poulet. Oh putain, je le boule. Je crois que je viens de dire un gros mot. Les enfants, ne dites pas de gros mots, sauf dans le cas où t'es comme moi, t'as envie de lui défoncer sa face de rat, de chasseur de... Il est complètement cinglé ce chat. Oui, je sais. Mais on se refait pas. Bon, question. Oh, elle inflige 3 points de dégâts. Ça veut dire que tu vas passer? Mais si tu passes, si tu me tues pas tout, t'es mort. Allez!
À l'assaut. C'est l'armée des poulets, il n'y a pas d'autre mot pour ce truc. Il y a des poulets partout. Les poulets, défendez-moi. Oh, il sort un hobgoblin. C'est pas malin, t'aurais dû le sortir avant. Chaque fois que tu sors une créature avec un attaque, une autre plus un, je crois que c'est... Non, je m'en fous. Au revoir. Les poulets sont des bêtes. What? Non, d'abord, on va mettre lui au milieu. Ok. Puis on va mettre lui. Puis on va faire poulet. Et ça, et poulet. Je possède en moi l'armée des poulets. L'armée des poulets. On le laisse à un point de vie pour lui rappeler. On est là. Moi et mes poulets, on domine le monde. Récemment, dans les commentaires, j'ai vu, on me demandait pourquoi t'as choisi « Salut les poulets » comme phrase d'intro. Enfin, ma phrase d'intro, c'est pas ça, c'est « Comment ça va le gang ?» Mais bon. Avec le bruit de claquage de dos. Oh, une invention géniale. Tiens, elle est pourrie, ton invention génitale. Eh ben, j'ai choisi les poulets, tu vois, pour ce genre de situation. Oh, il a tapé le chien. Mais si tu me butes pas tout, t'es à un point de vie. Au revoir. Aujourd'hui, les poulets, on est tombé que sur des lâches. Que sur des lâches. Bordel. Bordel de lâcheté de merde. Ok. Vas-y, qu'est-ce qu'on a gagné, beau? Qu'est-ce qu'on a gagné, quoi? Alors, est-ce que c'est un paquet avec une légendaire? Non, il y a une rare. C'est déjà pas mal. Deux rares. Ah, c'est un gros paquet. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Ah. Ouh, un pirate. Ah, j'étais en train de réfléchir à peut-être faire un deck pirate, un de ces quatre. Guerrier pirate, ou un truc dans l'or, je sais pas. L'abomination, je l'avais pas celle-là. Attendez, je le fais à la Michael Jackson. Oui, on se retrouve à la prochaine vidéo, les poulets. Peace, merci d'avoir regardé celle-là.